Bon voilà les amis, c'est parti pour une nouvelle session de pêche. Donc ici je suis descendu dans un bras de la Somme, hein, vous voyez c'est envahi d'herbe. Ils vont peut-être se décider à traiter un jour avant qu'il y ait une eutrophisation totale des parcours pêche dans la Somme. Ça serait bien, il existe des produits naturels en plus. Donc les écolos, il faut qu'ils écoutent un petit peu, hein, ça ferait du bien. Pour démarrer, je veux finir là-dessus. Il faut que tout le monde se mette autour de la table et trouver des solutions pérennes et durables. Donc on démarre cette vidéo sur une partie de pêche qui s'annonce normalement bonne, puisqu'on a une grosse période de chaleur et là on est parti sur une période orageuse avec pluie d'ici 2-3 heures à peu près. Donc je vais avoir juste le temps de m'installer normalement. Donc j'ai équipé mon bateau puisqu'il était en panne et le sélecteur est tombé en panne également. Donc je l'ai changé. J'ai équipé mon bateau d'une hélice anti-herbe de chez Minkota sur un moteur 50 livres. Donc ici en 50 livres on passe pas d'habitude. Hein, quand l'herbe est dense comme ça on passe pas. Ici avec le 50 livres et cette hélice là, ça change la vie. Donc je vais vous le montrer en action. Donc le démarrage, toujours un peu difficile, normal, hein, vous voyez, et ici, ça y est, c'est parti. Pourtant, vous voyez, hein, l'herbe, voilà, est très dense. Voilà, donc ici, c'est parti, et j'ai cassé mon élan tout à l'heure, mais sinon, ça avance encore mieux que ça. Vous voyez, ça dépote vraiment. Voilà, on arrive à passer malgré les herbes. Donc voilà, on démarre cette petite vidéo, déjà avec une petite astuce. Donc n'hésitez pas à équiper vos moteurs. Bon là ça fait un peu de bruit, je suis désolé, hein, parce que bon si je le plante au fond forcément ça va bloquer. Mon moteur est assez relevé, mais regardez, ça passe, hein, tranquille. Voilà. On y va quoi. Voilà. Ici je vais arriver sur une zone propre, je vais profiter. Voilà, un petit coup de marche arrière, ça nettoie votre moteur. Et voilà, c'est reparti. Donc voilà, démarrage de vidéo avec une astuce carpe canal. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, on va parler de la technique proprement dite qui concerne cette vidéo. Donc j'ai appelé ça la technique du métronome. Voilà, alors pourquoi j'ai appelé ça? En fait, je me suis aperçu que, vous le savez, j'amorce régulièrement. Donc j'amorce le matin, j'amorce le midi, le soir. Donc les résultats sont corrects. Mais je me suis aperçu qu'en diminuant ma quantité d'amorçage et en augmentant la régularité, c'est-à-dire qu'on va amorcer, allez, on va dire 500 grammes toutes les heures. Hein, donc sur 10 heures de pêche, ça nous fait 5 kg de bouillette. Hein, donc c'est pas énorme en fait.
Mais en amorçant toutes les heures, ça permet d'avoir de la nourriture en permanence sur le poste. Parce que le souci, c'est qu'ici, on est en pleine période d'activité de l'ensemble de tous les poissons, que ce soit les poissons blancs, les carpes, les tanches, les gardons, etc. Il suffit de voir à laquelle on se fait choper les montages par les brèmes ou démolir les bouillettes pour se rendre compte que l'amorçage, il reste pas bien longtemps sur le coup. Donc en premier lieu, ce qui m'a fait penser à cette technique, c'était d'éviter les silures et des passages de grosses brèmes. Effectivement, quand on amorce des tas, hein, par exemple, on va amorcer 5 kilos d'un coup, hein, et on va attendre que le poisson rentre dedans. Le souci, c'est que les brèmes rentrent dedans, les silures rentrent dedans. Parfois, si vous avez un amorçage un peu trop compact, et il vous lessive le cou en deux temps, trois mouvements. Et après, il n'y a plus à bouffer. Et automatiquement, on fait moins de carpe. J'ai continué la même technique, c'est-à-dire mettre une quantité d'appât de 5 à 10 kilos en arrivant, hein, si je suis là pour plusieurs jours, pas pour 24 heures bien entendu. Et ensuite, toutes les heures, je vais sur ma zone de pêche, prendre ma pelle et mettre une bouillette par-ci, une bouillette par-là. C'est une technique qui m'a rapporté du poisson, plus de poissons la journée en tout cas. La nuit, j'ai pas vu de grosse différence, hein, parce que forcément, on s'occupe moins des cannes. Bon, on fait de la touche quand même. Par contre, mes touches en journée ont augmenté. Aujourd'hui, de 10% de jour à 90% de nuit, je suis passé à 50-50. Donc, j'arrive à dérouler autant la journée que la nuit. Ce qui permet de rester actif en plus dans sa pêche. L'œil et l'heure, j'ai mis le réveil à sonner, on va aller distribuer un peu de bouillettes. Alors voilà, bon, donc là on va aller distribuer la nourriture. En fait, c'est ce que je vous disais. Hein, et là, je vais mettre quoi, 500 grammes de billes, hein, sur ma zone de pêche. Hein, voilà, hein, c'est pas très compliqué à faire. Hein, il suffit de se donner une limite amont aval. Hein, en étant une certaine zone. Et puis on va distribuer quelques billes comme ça. Hein, droite-gauche, sur tout poste. Et ce qui fait que. Même si les brèmes sont passés l'heure d'avant, ou la demi-heure d'avant, les îles de mélanotes, les tanches, etc., il y aura toujours au moins quelques billes sur vos zones d'amorçage. Et avec cette méthode, on s'aperçoit que sur un week-end de 48 heures, on va multiplier les touches. Donc ici, le week-end est peut-être mal choisi parce que c'est un peu calme, donc j'ai fait que deux poissons. Par contre, sur tous les week-ends que j'ai pu faire depuis la fin du confinement, on tourne quand même entre 10 et 15 poissons. Sur le week-end. C'est quand même très honorable au canal. Ici j'en ai fait que deux. Par contre, je fais une 17 kg, une 21. Voilà. Mais je continue la même technique. Hein, je l'ai démarré l'année passée. Je vais la prolonger toute l'année. Voilà. Voilà un petit peu mon analyse. Et puis les résultats qui en découlent. Quoi. J'ai toujours la même quantité de billes à peu près à la journée. Hein, on va dire 5-6 kg. Par contre, je la distribue toutes les demi-heures dans la journée. Ce qui fait que sur ma zone, en fait, j'ai jamais de coupure de nourriture. Il y a tout le temps, quelques bouillettes à manger pour les poissons. Voilà, c'est ce que j'ai appelé la technique du métronome. Alors c'est difficile de s'y tenir, hein. Parfois on oublie, on fait la sieste, on a tous des portables, on a tous des montres. Il suffit de mettre à sonner, bip bip, et puis là on prend sa sacoche et puis. On va distribuer quelques billes. Voilà, le temps que je vous parle, voilà, mon petit amorçage est fait. On verra ça maintenant d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, ça dépend de l'activité.
Bon, ça rentre. Donc, technique, hein, technique du tempo. Donc, cet après-midi, j'ai à toutes les heures, j'ai mis quelques petites poignées de billes. Et ça rentre tout de suite. Hein, tout à l'heure, il y a une carte qui a sauté un peu plus bas sur le poste. Là, en première déroule, il est 9h du soir. Donc, à mon avis, je pense que ça va le faire. Donc là, on va faire un rappel de touche, en fait. Hein, vu qu'on a une touche, le rappel va être un peu plus conséquent. Je viens d'avoir une tape dans une autre quinte. J'ai cru que ça allait démarrer en même temps. Et en fait, non. Donc, je vais quand même la relever parce que j'ai eu quand même mon sillon qui a tapé 2-3 fois. Donc, voilà. Voilà, super poisson. Super poisson. Des poissons sauvages, hein, comme d'habitude. Magnifique. Donc, bien nerveux après l'orage. Voilà. Super poisson. Génial. Superbe. Bien dodu. Voilà. Très très beau poisson. La soirée ne fait que démarrer. Génial. Un petit poisson. Un joli petit poissonnet. Hop, hop, hop. Ah. Tu vas pas nous quitter comme ça. Allez. Allez, ma jolie. Le monstre. Bon voilà, on va faire un petit bilan de cette sortie. Donc hier soir, j'ai vu un poisson marsouiné sur l'amorçage. J'ai bien vu que c'était une carpe, j'ai bien vu tout son flanc. Il y a un poisson qui est monté également un peu plus sur la gauche en surface. Je me suis dit bon, on est dans la tranche horaire puisque la veille, l'avant-veille, j'ai fait les poissons. On était dans la tranche 19h, 21h. J'ai dit bon, c'est l'heure de leur passage. Donc ça va le faire. Bon, c'est pas parti. C'est un petit peu. J'ai eu quelques échos à droite à gauche hein, dans le secteur. C'est très 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 calme. Donc je peux me contenter heureux d'avoir fait une touche chaque jour. Parce qu'hier soir, je fais quand même une touche vers 21h30, 22h. Un départ de furie. Je prends la canne, ça se tend et paf, décroché en plein vol. Donc poisson du même gabarit. Hein. De toute façon, souvent quand on fait des grosses, on fait des grosses. Et quand on fait que des petites, on fait que des petites. Voilà, donc bon, ça fait une touche chaque jour. Donc, on voit bien que grâce à cet amorçage, on a eu un passage quand même régulier de poissons, même si on n'en a pas fait beaucoup, c'est les conditions qui veulent ça. Mais ça a permis d'avoir tout le temps en fait de la nourriture sur le poste, ce fameux amorçage du métronome. Et là c'est flagrant. Alors, c'est en termes de résultats, ça l'est moins. C'est un week-end comme ça, on fait que j'ai quand même fait de beaux poissons. Mais voilà, on voit que le poisson a des passages, a des heures de passage qu'on ne maîtrise pas, hein, ça vous ne maîtriserez jamais. Et donc d'avoir de la nourriture en permanence sur le poste, ça fait toute la différence. Donc si on met une quantité d'amorçage tout de suite dans la journée et après on ne met plus rien, on a le risque de s'être fait laver l'amorçage et quand le poisson passe, forcément il n'y a plus à manger. Donc voilà. Donc en faisant ce type d'amorçage, on garde les mêmes quantités que d'habitude, on ne va pas mettre plus d'amorçage. Par contre, on s'assure d'avoir une zone d'alimentation couverte en permanence. Donc, en théorie, plus de touches. Après, il y a les conditions de pêche qui font que c'est la loi de la pêche. Parfois, vous allez tout faire et parfois, vous allez rien faire. Là, on a fait un petit peu. Bon, c'est déjà pas mal. On fait un beau poisson de 17, on fait un beau poisson de 21. La décroche hier, bon, j'ai senti la puissance du poisson, c'était dans le même gabarit. Donc voilà. Donc, et ça permet aussi de rester
très actif dans sa pêche, parce que quand il faut se bouger, parce que ça c'est le défaut des carpistes, on s'assoit, on profite de la nature, et plus le temps passe et moins on bouge. Voilà, c'est humain. Ça nous oblige à être actif dans notre pêche en permanence. Quand vous faites un amorçage toutes les demi-heures, forcément vous êtes au taquet tout le temps, quoi. Donc ça devient beaucoup plus intéressant. Et puis ça permet très souvent d'avoir des touches la journée, d'augmenter, hein, je vous l'ai dit, hein, j'ai augmenté énormément mes touches dans la journée. Donc, et puis de faire beaucoup plus de poissons sur l'ensemble de vos parties de pêche en fait. Donc vous allez voir, vos carnets de pêche vont se remplir beaucoup plus vite. Hein, donc il va falloir même rajouter certainement, je viens d'avoir une belle table dans une canne là. J'ai reposé ce matin tout de suite au lever du jour. Hein. Ça permet de prendre beaucoup plus de poissons à l'année, je disais. Donc voilà, pareil, la repose, ben, tout de suite au lever du jour, je me suis levé, j'ai reposé mes cannes. Donc là, comme je pars ce matin, j'ai pas remis d'amorçage, hein, j'ai juste reposé mes lignes dedans, j'espère qu'il reste quelques billes. On verra bien, je bois mon café tranquille. Ça, c'est important, si vous pouvez mettre à sonner, vous levez avant tout de suite au lever du jour, juste avant le lever du jour, vous reposez. Et vous allez vous recoucher, hein, mais voilà, c'est ce que les anciens nous apprenaient. Un coup du matin, un coup du soir, c'est tip top. Hein. Et très très souvent le matin, ça j'ai une touche. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que plus on est actif dans sa pêche, plus on s'occupe de ses cannes. Et j'ai encore relevé une canne ce matin, il y avait une moule de piquet à la maison. Bah, cette canne-là ne pêchait pas, quoi. Donc plus on s'occupe de sa pêche, et plus on va faire du poisson. Donc cet amorçage-là, il permet de vous maintenir actif et de maintenir actif votre poste. Donc, régalez-vous, prenez du poisson. Bon, voilà, fin de partie. Donc, on est reparti. Il faut bien aller travailler. Hein, il n'y a pas de miracle. Hein. Donc, bonne petite partie de pêche. On avait une nouvelle technique, hein, que moi, j'applique déjà depuis l'année passée avec pas mal de réussite. Des beaux petits week-ends de pêche. Hein, on passe une moyenne de plus de 10 poissons régulièrement sur le canal, ce qui est très 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 bon. Hein, c'est des super résultats. Par contre, faut maintenir la cadence. Hein, il faut amorcer. Donc, si vous prévoyez, 5 ou 10 kilos par jour, et bien, au mieux de le mettre en une ou deux fois, vous le mettez en 10 fois, en 15 fois, ce qui fait qu'il y a toujours à manger. Ce matin, on en reparlait un petit peu. J'ai reposé mes cannes. Et j'ai eu des tapes encore de blanc sur les cannes, hein. On voit, hein, quand les sillons tapent comme ça. Ça peut arriver que c'est des cartes, mais là en l'occurrence c'est du blanc, on les voit sauter. Donc ça prouve que ça maintient le coup en activité, qu'il y a toujours de la nourriture en fait. Donc les blancs dérangent un peu, mais on n'a pas trop le choix. Bon, l'avantage c'est qu'on a fait très joli poisson, quoi. Donc malheureusement j'en décroche une belle hier soir. Sinon ça nous faisait trois gros poissons au tapis, donc ce qui est très honorable. Voilà, donc une nouvelle technique à tester. On se revoit dans une prochaine vidéo, certainement dans des nouveaux paysages. Je vais quitter un peu le canal de la Somme pour quelques semaines, ça va être les vacances. Je vais profiter pour bouger un peu. Je pense un petit peu bourlinguer un petit peu dans l'Aisne, hein, vous faire découvrir de belles régions, hein, parce que les Hauts-de-France, c'est quand même une très belle région. Et on commence à voir le climat du sud bientôt, donc c'est super. C'est super. Allez, bonne pêche à tous et à la prochaine.